Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, nous allons voir un peu ce qui vous attend au niveau affectif et sentimental si vous êtes Sagittaire en solaire, lunaire et ascendant. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps et la vidéo du coup ne devrait pas être trop longue. C'est un tirage qui vient compléter le tirage général du mois de janvier, disponible également sur ma chaîne. Je vous mets la miniature à l'écran et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai utilisé le tarot de la sorcière ici, l'oracle du soleil, et ça va déjà vous donner pas mal d'infos et de clés pour appréhender votre vie sentimentale de ce début d'année. Et en parlant de ça, je vous invite également à aller voir le grand tirage de l'année 2024, disponible aussi sur ma chaîne, dans lequel vous allez voir mois par mois ce qui vous attend tout au long de cette nouvelle année. Vous pourriez tout à fait apprendre des choses intéressantes, donc je vous encourage vivement à aller le voir et à me dire en commentaire ce que vous en avez aussi pensé. Et puis une dernière petite chose à vous dire avant de commencer le tirage, sachez que jusqu'au 15 janvier 2024, il y a une promotion en cours sur mon site spirale-guidance.com sur une prestation de guidance personnalisée. Alors il y a 5 prestations différentes que je propose entre 15 et 65 euros. Et pour vous remercier pour les 20 000 abonnés que la chaîne a atteint récemment, le tirage des 12 mois, qui est donc la formule qui coûte 65 euros, je vous la propose aujourd'hui à 50 euros. C'est une promotion qui a dû commencer le 15 janvier 2023 et que j'ai fait durer 30 jours, donc elle s'arrête le 15 janvier 2024. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous faire plaisir. Voilà les amis, je crois que tout est dit et on passe tout de suite à la révélation de vos cartes. Alors, en sentimental en janvier, vous avez eu le 6 de feu, la reine de terre et le 6 d'air. Ok. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la flatterie, l'harmonie et l'affirmation. C'est plutôt pas mal. Alors, je vous affiche les cartes à l'écran et on commence tout de suite avec le 6 de feu. Alors, la pierre qui est représentée sur cette carte, c'est de la pyrite. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages et les aspects de cette pierre grâce à cette carte-là. Donc, on nous parle de victoire, de réussite, de reconnaissance et de respect. La pyrite, c'est une pierre qui favorise la concentration, le mental, la créativité. Elle peut effectivement avoir des couleurs un peu dorées, flamboyantes, donc c'est ce qui impose un petit peu aussi l'admiration. Et tout ça, c'est des choses qui vous sont propres finalement, les Sagittaires. Donc, reporté à la vie sentimentale, on peut parler d'une sorte de victoire. Beaucoup de charme, j'imagine aussi. Je pense que vous allez, oui, les gens vont vous admirer, un petit peu comme cette pierre précieuse. Vous allez peut-être fasciner certaines personnes de votre entourage et ça peut donner lieu, bah, pourquoi pas, à des conversations, voilà, des prises de contact qui peuvent déboucher sur des rendez-vous pour les célibataires, par exemple. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, ce tirage est fait pour vous. Pour ceux qui sont en couple, vous avez quand même cette attirance que vous allez provoquer chez les autres et parce que vous allez littéralement rayonner. On y voit hein, les petits éclats comme ça, les petites étoiles qui brillent. On est sur une idée de brillance et de susciter l'admiration. Donc ce charme dont vous allez bénéficier les Sagittaires va faire que vous allez plutôt avoir assez confiance en vous sur ce mois de janvier. Disons que c'est plutôt flatteur et que ça fait forcément toujours plaisir. Donc c'est vrai que ça va renforcer un petit peu votre confiance en vous dans les choses que vous souhaitez entreprendre au niveau de votre vie affective. Donc excellente carte qui annonce effectivement beaucoup de charisme pour les Sagittaires. Ensuite vous avez la Reine de Terre. Alors ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est qu'il y a de l'ancrage. La reine de terre est une personne importante, mais elle a du pouvoir, hein, c'est une reine, mais elle est très connectée à l'élémentaire, c'est-à-dire qu'elle reste dans son petit confort du quotidien, ce petit monde qu'elle s'est construit, et elle n'est pas forcément attirée par, ou motivée plutôt, par le changement. Donc on nous dit que vous pourriez conserver vos habitudes au niveau de votre couple, ou même si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait de vouloir rester célibataire encore un peu. C'est chacun fait comme il veut, mais effectivement c'est une carte qui est plutôt réfractaire au changement. Voilà, vous n'avez pas forcément envie que les choses changent, soit parce que vous êtes heureux actuellement dans votre vie sentimentale, ou soit parce que ben, vous ne voyez pas ce que vous pouvez améliorer ou changer. Ça peut être aussi une baisse de motivation ou quoi que ce soit, mais on a l'idée d'apprécier déjà ce que l'on a avec cette carte là et on est bien dans notre petit confort, dans notre petit dans notre tête et dans notre corps en général aussi. Alors bien sûr il y a aussi des exceptions à la règle. Mais c'est peut-être aussi le fait que vous allez plaire aux autres, hein, qui va vous réconforter. Et finalement, ça vous donne envie de pas forcément faire d'efforts de séduction, puisque vous plaisez déjà aux gens. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là aussi. Il y a un petit rapport avec l'argent et le confort matériel avec cette carte-là, qu'on pourrait associer par exemple au signe du taureau aussi. On a cette idée d'avoir travaillé dur, on s'offre des belles choses et on est très content et on en profite. Et voilà. Et donc on est un petit peu en mode...
casanier, quoi. On s'entoure de beaux objets ou de matériel, voilà, qu'on s'est acheté. Ça peut être des meubles, des télés, je sais pas, une chaîne Hi-Fi, enfin, des choses que vous aimez utiliser dans votre quotidien et que vous êtes, qui vous font plaisir. Et vous n'avez pas forcément envie d'aller à l'extérieur, voilà. Vous avez juste envie, peut-être, c'est peut-être la saison aussi, hein, l'hiver. On préfère peut-être rester tout simplement chez soi au chaud. Et vous n'êtes pas forcément dans l'idée de sortir, si vous êtes célibataire, pour essayer d'aller rencontrer des gens. Aller draguer ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est pas dans votre mentalité du moi, j'ai l'impression. Mais encore une fois, ça peut être lié aussi au fait que vous allez réaliser que vous avez énormément de charme et que les gens auront un regard un peu nouveau sur vous. Donc, même si vous avez des opportunités intéressantes de sortie ou de personnes qui vous contactent parce que vous leur plaisez, enfin, vous voyez, sur les applications, sur les sites de rencontres ou dans la vie en général, eh bien, on nous dit que même s'il y a de vraies opportunités réelles pour votre vie affective, vous ne serez pas forcément très motivé à franchir le pas, et grand bien vous fasse. C'est peut-être une période où vous avez envie de prendre soin de vous, de rester tranquille. Voilà, tout simplement. On n'est pas obligé d'être tout le temps en mode chasse. Être en couple, c'est bien, mais c'est pas forcément un objectif de vie pour tout le monde. Vous avez également la carte du 6 d'air. Alors on retrouve une autre pierre ici qui est de l'améthyste sur cette carte-là. C'est la pierre qui est reliée à la spiritualité, à la clarté d'esprit, justement aux capacités de l'esprit également. Et donc elle aura un peu la faculté de ramener un peu d'équilibre et de sérénité dans vos pensées pour ceux qui sont un peu tourmentés, on va dire. Là, elle est représentée plutôt brute, un peu comme dans une géode, et ça symbolise une espèce de grotte un petit peu sombre. On voit au centre quand même qu'il y a un trou et donc de la lumière, c'est beaucoup plus clair. C'est comme si vous étiez dans un tunnel assez sombre et qu'il y a la lumière au bout, et vous allez vous diriger vers cette lumière. Donc c'est une sorte de métaphore pour expliquer qu'il y a peut-être des Sagittaires qui sont actuellement au mois de janvier dans une période un petit peu sombre, mais qui perçoivent quand même qu'ils sont plus très loin de la sortie et que par conséquent il est nécessaire de continuer à fournir des efforts. En plus de ça, l'améthyste favorise vraiment votre intellect, votre capacité à avoir des réflexions intelligentes, à mettre en place des choses et surtout à clarifier les idées confuses. Donc par conséquent, j'ai l'impression que vous savez très bien comment vous sortir de cette obscurité, pour ceux qui sont concernés bien sûr. Et par conséquent, bah, vous allez vous y diriger. Donc on a aussi cette idée de progresser, d'évoluer dans un environnement qui n'est pas encore très équilibré ou très clair, mais on voit notre objectif à portée de main quasiment, très très proche, et il n'y a plus vraiment beaucoup d'efforts à faire pour s'en sortir. Donc ça représente une excellente nouvelle pour les personnes en couple ou célibataires qui vivent mal la situation actuelle, et on vous dit que la lumière est très proche de vous, il suffit de maintenir un petit peu les efforts en janvier, et très rapidement vous allez passer à autre chose. L'améthyste vous prête ici ses pouvoirs, donc profitez-en les amis. Ensuite, avec l'oracle du Soleil, vous avez la carte de la flatterie. Alors, c'est une carte qui est associée à la planète Vénus, planète de l'amour, donc on est dans le thème, et au signe des Gémeaux, qui va un peu parler de dualité, mais aussi de charisme, d'intellect, de communication. Alors, la flatterie, ça peut indiquer le fait d'être dans une triangulaire amoureuse, ou du moins d'avoir deux choix, deux possibilités, ou deux personnes avec qui il y a du potentiel. Et c'est une carte qui ne vous suggère pas forcément de faire un choix, mais plutôt on vous dit que vous allez peut-être cumuler. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourriez encore hésiter entre deux personnes. Vous avez fréquenté un tel en début de semaine et vous avez vu un autre ou une autre personne, voilà, en fin de semaine. Vous êtes en cours de découverte de deux personnes qui vous intéressent potentiellement. Mais voilà, il y aura peut-être un choix à faire à un moment donné, mais on vous dit de rester dans cet état de séduction, de flatterie, effectivement, c'est-à-dire que dans votre manière de communiquer, il faut essayer un petit peu de flatter l'ego de son interlocuteur pour essayer de lui faire comprendre qu'il nous plaît. Mais voilà, pour ceux qui sont concernés par cette situation un peu de doublon, on nous dit que vous n'êtes pas forcément dans l'optique de faire un choix aujourd'hui, vous vous laissez le temps de découvrir ces deux potentielles personnes. Ça peut parler aussi, pour ceux qui sont en couple, d'une relation secrète. Que ce soit vous ou votre partenaire, il y a peut-être l'un de vous deux qui voyait une autre personne en parallèle. Et c'est pas forcément quelque chose de tout de suite très sérieux, mais voilà, il y a peut-être une histoire d'hésitation chez l'un ou l'autre des partenaires avec cette carte-là. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui est secret, donc on n'est pas encore décidé à savoir la suite que l'on veut donner à cette histoire-là. Donc il se peut qu'il y ait un cumul, que ce soit vous ou votre partenaire de vie, à un moment donné dans le mois. Alors surtout, n'ayez pas peur et ne soyez pas paranoïaque. Bien évidemment que si vous êtes en couple et heureux et que vous avez confiance en votre partenaire, cette carte ne vous concerne pas, hein, je le dis tout de suite pour éviter des commentaires
qui pourrait partir dans tous les sens sous la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est une tendance qu'on a captée ici, donc ça va être possible pour certains sagittaires. Il y a bien sûr du positif, si vous êtes célibataire, on peut parler d'une relation aussi secrète, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément envie d'en parler à votre entourage au début, là il n'y a pas du tout d'histoire de tromperie ou de quoi que ce soit, mais juste d'une nouvelle possibilité amoureuse que vous souhaitez prendre le temps aussi de découvrir avant de la révéler. Alors au niveau de votre communication par contre, les Sagittaires, on nous dit qu'il va être super important de prendre le temps d'écouter l'autre, de ne pas se couper la parole, etc., etc., d'éviter tout ce qui est remarques désobligeantes, critiques, et plutôt favoriser la flatterie, comme l'indique la carte, mais aussi voilà, l'écoute, le sourire, etc. On nous dit que cette attitude-là vous sera beaucoup plus bénéfique que d'affirmer vos idées, de dire quand quelque chose ne vous plaît pas et de le dire de manière un peu sèche ou trop ferme. On vous dit que si vous êtes trop ferme dans votre communication, malheureusement, il pourrait y avoir des conséquences négatives derrière. Donc vraiment, quitte à surjouer un petit peu, essayez plutôt de garder le sourire quoi qu'il arrive dans toute votre communication sentimentale au mois de janvier. Et enfin, cette carte-là nous dit que vous pourriez aussi avoir une sorte de dépendance affective. On a envie d'être constamment en compagnie de quelqu'un, on supporte mal le célibat, et ça va s'adresser qu'à une partie d'entre vous. Mais c'est vrai que ça peut refléter ce trait de personnalité chez certains. Donc c'est vrai que quand on ne supporte pas la solitude et qu'on est un peu dépendant affectif, et qu'on ne travaille pas dessus, ben on a tendance aussi à se mettre en couple un peu trop rapidement avec le premier venu ou la première venue, et c'est pas forcément des bons choix. Donc attention à ça aussi, pas de précipitation, les Sagittaires. Ensuite, on arrive sur la carte de l'harmonie, qui est une carte qui appartient au soleil, tout comme la carte suivante. D'ailleurs, vous avez deux fois le soleil ici, c'est très bon. Donc c'est le signe de la balance qui est associé au soleil sur cette carte-là, donc on a cette idée aussi de vivre des choses très harmonieuses et équilibrées. Donc il n'y aura pas forcément dans le domaine affectif pour vous des déséquilibres très importants. Et si jamais c'était le cas, on sent que ça tend vers justement un rééquilibrage. Donc ça c'est plutôt bon. On y voit une personne hein, qui est clairement, je pense, Adam ou quelque chose comme ça, un personnage qui est dans la nature, entouré de plantes, d'animaux, etc., avec le soleil au-dessus de sa tête qui est rayonnant. Et c'est donc une mise en lumière de ce personnage. Donc ça vous représente, et je pense que ça fait totalement lien avec la carte du début, le 6 de feu, qui indique que réellement, vous allez littéralement briller, les Sagittaires. Hein. Vous allez réellement susciter beaucoup d'admiration. Parce que vous dégagez du charme et que, plus que d'habitude, vous allez plaire. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour les célibataires. Donc on nous dit que vous avez aussi beaucoup de compétences pour les relations publiques, le fait de s'exprimer, le fait de communiquer, c'est à nouveau un avantage que vous allez avoir sur le mois de janvier 2024. Et vous serez tellement admiré qu'on pourrait aussi souvent vous demander votre avis sur différents sujets, parce que justement votre avis va compter pour les autres. Et là je parle pas forcément de la vie sentimentale, mais de tous les domaines en général. Vous allez vraiment bénéficier d'une aura particulière hein, ce mois-ci, et ça va vraiment attirer les gens. Et par conséquent, quand on est en admiration devant quelqu'un, on a envie de créer du lien, on a envie voilà, d'avoir son avis, etc., de se rapprocher de cette personne-là. Donc aussi bien votre famille que vos amis, par exemple, pourraient se rapprocher de vous pour vous demander votre point de vue, votre position, sur un sujet en particulier. Encore une fois, c'est quelque chose qui est flatteur parce que ça veut dire qu'on vous donne de la reconnaissance, parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous comptez énormément dans la vie de ces gens-là. Donc ça, c'est une super mise en lumière à nouveau pour les Sagittaires. Sachez qu'il est aussi possible avec cette carte-là de prendre une décision assez difficile en cours de mois, qui serait donc en lien forcément avec votre vie affective et sentimentale, puisque c'est le but de ce tirage. Et donc, c'est pas parce qu'on est bien dans sa peau, qu'on rayonne et qu'on plaît, que forcément la vie est facile derrière. Il y a aussi une question de choix qu'il faut mûrement réfléchir, et donc vous serez peut-être exposé à ce type de situation aussi. Sachez que si vous êtes célibataire ou au tout début d'une relation, ça peut parler de la réussite d'un accord ou d'un pacte. Donc ça peut s'appliquer à la vie professionnelle, mais comme on est sur un tirage amoureux ici, eh bien peut-être que vous pourriez tout à fait d'un commun accord démarrer une relation. Donc c'est plutôt aussi bon pour les personnes qui débutent quelque chose. Si vous êtes en couple, cette carte, bien sûr, vous allez aussi en bénéficier. Encore une fois, ce côté rayonnant qui suscite l'admiration. Et puis l'harmonie dans le couple, tout simplement. Donc de très bonnes choses pour vous, ainsi qu'une belle complicité avec votre partenaire. Et enfin, vous avez la carte de l'affirmation.
Donc ici, on nous dit que vous serez très sûr de vous, et vous êtes tellement sûr de vous que vous n'allez pas forcément écouter les conseils des autres. Vous avez des objectifs, vous savez comment y parvenir a priori, et vous êtes extrêmement déterminé et motivé. Et par conséquent, c'est pas que vous êtes fermé au dialogue, mais c'est juste que si quelqu'un vous donne un conseil, vous donne son avis, vous allez l'écouter, faire ok, mais vous n'allez pas appliquer forcément derrière. En fait, vous êtes tellement sûr de vous que vous allez foncer. Alors attention, parce qu'il y a deux possibilités. En fait, c'est soit vous êtes tellement sûr de vous, mais c'est trompeur parce que effectivement vous allez beaucoup plaire, donc ça vous redonne confiance énormément, et malheureusement un excès de confiance, bah on peut aussi se brûler les ailes, hein, tout simplement, on peut se tromper. Ou bien effectivement, bah, vous avez raison, ça va fonctionner et tout va aller pour le mieux. Mais attention, parce que moi j'ai l'impression quand même, au vu du tirage qu'on a eu, que c'est vraiment parce que vous allez vous rendre compte que cette admiration que vous allez susciter va vraiment renforcer votre ego et vous donner peut-être une surconfiance en vous. Donc attention à ça, il ne faut pas trop être dans la précipitation, c'est quand même le bélier qui est représenté sur cette carte-là. Donc le signe du bélier, c'est aussi le côté un peu impulsif. Il va falloir pas trop être là-dedans. On peut être sûr de soi, mais prendre le temps de faire les choses aussi. C'est pas parce qu'on est sûr à 100% qu'on fonce comme ça vers l'inconnu. Donc peut-être faites confiance à ce que vous ressentez, certes, mais restez tout de même assez pragmatique et n'essayez pas d'improviser quoi que ce soit. Donc oui, votre tempérament pourrait être d'agir un peu soudainement dans la vie sentimentale. Vous pourriez prendre des décisions comme ça en un claquement de doigts. Et donc, il faut faire un peu attention à cette impulsivité. Mais bon, globalement, c'est plutôt bon. Hein. Sur la carte, on y voit un chevalier qui défie une créature légendaire, donc un dragon. Voilà, donc il y va en toute confiance. Il n'est pas forcément hyper bien équipé. Il a juste un bouclier, voilà, une épée, ok, mais... Mais il n'est pas protégé de partout, mais il a confiance en lui. Et du coup, voilà, il va affronter ce qu'il doit affronter. Alors là, il n'y a rien à affronter. Hein. Ce n'est pas forcément une carte de défi, mais la carte de l'affirmation, c'est juste dire « J'ai tellement confiance en moi que peu importe ce qui se présente à moi, je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai envie que les choses bougent. » Mais encore une fois, gardez quand même dans un coin de votre esprit que c'est peut-être dû à un excès de confiance en vous, dû au fait que les gens vont vous flatter, vous allez recevoir des compliments, etc., etc. Donc c'est une très bonne chose, bien évidemment, et ça va vous remettre en confiance. Je suis vraiment content pour vous parce que c'est chouette comme sensation. Mais c'est vrai que vous pourriez un petit peu partir en roue libre parfois à cause de cet excès. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ici, les Sagittaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, car ces petites actions de votre part ne prennent que 2 secondes et permettent réellement de soutenir le travail des créateurs de vidéos. C'est un petit rappel que je voulais vous faire, en tout cas merci à ceux qui le feront. Je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok et que toutes les semaines j'y propose des tirages express pour tous les signes du zodiaque, qui n'ont rien à voir avec YouTube, hein, c'est vraiment d'autres types de vidéos. Et donc si vous souhaitez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir que vous m'y retrouverez, c'est tout simplement Spirale Guidance. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier parce que visiblement vous allez en profiter. Prenez soin de vous et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt !